tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais essayer de construire une petite maison avec sac carton. On n'a pas grand chose, hein, ça fait... C'est tout petit, hein, c'est vraiment petit. Du coup, mais comme on va essayer de faire une petite maison, mais un sapin. Après, dans une partie 2 que je vais faire juste après, je vais faire une villa énorme. Bon, je vais essayer, hein, je suis pas trop maison, moi. Déjà, je vais essayer de faire une face. C'est facile, encore, ça va. On va découper comme ça, là. J'ai pris ciseaux, je sais pas pourquoi, j'aurais dû faire un peu prendre le cutter qui est 10 fois plus simple. Du coup, pour l'instant, je coupe. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Surtout, partagez. Partagez énormément, si vous pouvez. Bon, je vous retrouve juste après parce que je pense que ça dure un petit peu. J'ai fini. Bon, du coup, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Il y a une face là. Non, attends. Ah, ouh. Allez là. Du coup, j'ai fini. J'ai 4 faces presque identiques. Ici. Du coup, je vais commencer, mais j'avais oublié de dire. J'ai mon scotch, bien sûr. Le scotch est la base. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes manuel. En tout cas, je suis très manuel. Je suis très très manuel. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont manuels, mais pas beaucoup beaucoup, qui font des petits trucs en carton, qui arrêtent, qui recommencent, tu vois. Et moi, c'est tout le temps, je bricole tout le temps. Que ce soit des trucs en bois, en métal, en plastique, en carton. Je fais beaucoup de choses. Du coup, je vais coller tout de suite ça comme ça. Moi, j'ai une technique. Je mets ça comme ça, du coup, après, juste à faire ça. Je colle ça comme ça, le scotch est juste là. Et après, juste à faire ça. Du coup, pour la deuxième vidéo, je vais mettre un petit peu la caméra par terre parce que là, vous voyez rien ce que je fais. Maintenant, je peux pas changer. Il faut que je règle tout. Un petit peu long. Ou c'est pas grave, je vais essayer de faire un petit peu en hauteur. C'est bon. Ça comme ça. J'ai déjà construit une petite tirelire pas très solide, un petit peu solide. Après maintenant j'ai un coffre-fort avec au moins 20 couches de carton là. Donc il y a mon argent de poche. Ça sert strictement à rien mais moi j'aime bien. Du coup les amis, vous... Est-ce que vous aimez bien l'école? Parce que c'est que moi, je déteste l'école perso. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien l'école. Bon, là, j'ai fini le... Après, le... C'est tout léger, hein. Je préfère les gens presque. Du coup, j'ai fini ça. Du coup, le toit. Carton. Le carton est trop petit. Du coup, je vais le couper. C'est vrai, je vais mettre le ciseau parce que ça va être beaucoup plus net. Parfait ça. Parfait. Du scotch. Et du coup, où est la porte? Bah oui, la porte, il y a une porte, je sais pas où elle va être. La porte, elle va servir à faire le sol du bas. Ouais, le sol du bas. Dites-moi vous dans les commentaires si vous préférez la colle ou si vous préférez le scotch. Moi perso, je préfère le scotch. C'est plus rapide et c'est plus... ça colle mieux. Par contre, c'est un petit peu moins solide quand même. Du coup, la porte, elle sera juste ici. C'est une mini maison, hein, avec un peu de carton. Après, moi, j'ai beaucoup de carton à la maison. Vous savez pas, moi, j'ai un stand de carton carrément. Il n'y a rien dedans. Hein. C'est totalement vide. Regarde si je fais ça. C'est vide. Du coup, le sol... Voilà, petit souci là, je vais prendre le scotch. Je vais prendre le scotch pour faire le sol, ça sera ça sera un sol collant comme dans les prods des Ninja Warrior. Non, ça serait avec Ninja Warrior, je crois. Je ne me rappelle plus du truc qui passe à la télé là. Et ils ont des épreuves et parfois le sol est collant et qui n'arrive même pas à bouger.
Apparemment, ça va être pareil. Parfait, j'ai fini ma mini-maison. Du coup, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Du coup, au revoir pour les prochaines vidéos.